Hermann, notre journaliste presque allemand, a rendez-vous à Berlin avec Freddy Lim, chanteur la nuit du plus grand groupe de métal taïwanais et député d'un quartier de la capitale de l'île pendant la journée. Créateur du New Power Party, l'équivalent du Parti Pirate Européen, Freddy se bat pour l'indépendance de l'île face à la Chine, le mariage homosexuel ou la légalisation du cannabis. Dis Freddy, plutôt que le costard cravate, t'as déjà mis un t-shirt à l'effigie d'un groupe de métal au Parlement? I hope not yet, but maybe next time I'll wear a Black Sabbath shirt in Parliament. That would be nice. Yeah. Are you with me? So let me hear your voice. You went for Taiwan. Peace forever. Depuis son élection à l'Assemblée en 2016, Freddy n'a qu'un rêve, faire reconnaître Taïwan par les Nations Unies. Mais avec ses 5 sièges sur 113 au Parlement, son New Power Party est encore loin d'effrayer l'establishment. Terrifiant, Freddy le devient lors de ses concerts avec son groupe, le mythique Tonic. Par l'allemand Marco Wilms, un film retraçant cette éprouvante double vie est projeté en présence de Freddy à Mitte, l'ancien quartier des squats berlinois. Je pense qu'il y a un point qui est très similaire, c'est que nous, en tant que metal singer, nous 一直是在表演一样的我们的这些歌曲给不一样的观众听，例如说，在德国巡回的时候，可能就要唱一二十场，每天都是不一样的城市，但是你唱一样的set，你却要有一样的energy，一样的这个热情，去让台下的人跟你一起感受到你这个音乐里面的力量。作为politician也是一样，但是这就跟你在做政治人物的时候一样。 可能这一段期间，你都在试着去说服国会里面的人、电视机里前面的人、乃至于你的选民，不一样的演讲的场合，你都在 promote 某一件事情。例如说，我们很重视的这个LGBTQ right， 就是same-sex marriage， 我们觉得这很重要。 He is not good because he want independent. It's evil. L'indépendance de Taïwan, ses 23 millions d'habitants la revendiquent depuis près de 70 ans. Mais aujourd'hui, moins de 20 pays la reconnaissent. En 1945, l'île occupée jusqu'alors par les Japonais revient aux mains de la République de Chine. 4 ans plus tard, la prise du pouvoir par Mao Tse-tung oblige les nationalistes qui gouvernaient jusqu'alors en Chine à s'exiler à Taïwan. Ils y imposent alors la loi martiale pendant 38 ans. Fils d'un antiquaire et d'une comptable, Freddy naît à Taipei en 76 dans cette période spéciale. 还有一个有趣的，就是我记得我小时候，就是大概每一两个礼拜，我爸都会叫我去书店买特别的书。就是我觉得现在讲，可能电视前面的人会以为是买色情的书，但是其实我们那个时候，我爸就是叫我去买禁书，就跟政治有关的，但是。 但是就是被禁止，你如果被抓到的话，其实是会出大事。所以我都记得我爸就跟我讲说，我拿一个袋子给我去买。然后我去到书店的时候，都那个老板会叫我到很后面的地方去拿，拿了以后叫我赶快跑回家，就是不要在路上待太久这样子。这个是我记忆中很清楚的一个回忆。 95, celui qui s'appelait jusque-là Lin Chuangzo pique son prénom au Freddy Krueger de Wes Craven et fonde Tonic, qui va devenir le plus grand groupe de métal de Taïwan.
Dans ses paroles, il chante la culture de son île, inventant ce qu'il appelle le métal oriental, parce qu'il utilise des instruments traditionnels. Dans ce clip, il dénonce l'enrôlement forcé des populations aborigènes par l'occupant japonais. Google Translate 上面都现在都没有台语。 Avec Tonic, Freddy Lim enchaîne durant 20 ans les tournées dans le monde entier, tout en mettant des raclées aux méchants chinois, japonais ou nazis, comme dans ce clip. Plus jeune président de la section taïwanaise d'Amnesty, Freddy fonde son propre parti en 2014 lorsque le mouvement étudiant Tournesol fait tomber les nationalistes au pouvoir. Depuis, Freddy se sent pousser des ailes. J'ai pensé que je voulais continuer à aller jusqu'à ce que je ne puisse pas. 我会想办法选赢，而且我会想办法把事情做好。但是我从来没有想过，如果选上的话，第一件事情要做什么。